Je dis à qui fait déplacement en grand nombre. Non, non. Comité de gestion MTV Haïti, ensemble de 19 régions Patia, cellule d'analyse permanente politique Patia, moi remercier nous. Et je dis à MTV a pris la parole pour parler avec la presse dans un contexte qui est très difficile dans le pays. Nous avons songé, récemment, MTV est passé par au moment d'épreuve. Il y a des gens qui ont même pensé que MTV était deux MTV. Il y a des gens qui ont des doutes est-ce que MTV était beaucoup de pouvoir ou pas, est-ce qu'il était en Fatma ou pas. Nous avons besoin de temps pour nous réorganiser Patia après démission Dr. Boulos de présidence Patia, mais il a toujours été membre. Et au moment ça, nous réussissons. Patia Jodia. Il relance dans 19 régions nous et membres nous plus que jamais déterminés pour participer, continuer, contribuer, engager dans la bataille pour le changement dans le pays. MTV a signé encore en septembre, c'était un moment douloureux pour nous. C'est une épreuve que nous passons, bien que nous devions sortir encore à plus bonheur, mais nous faisons dans un moment côté qui était plus approprié pour que nous soyons capables de garder cohésion interne en deux Patia. Après environ 3 mois d'observation, depuis janvier, nous pas prendre la parole dans la presse, nous pas sorti note de presse, nous avons gardé comportement gouvernement et signataire accord 21 décembre. MTV pas signé accord 21 décembre. Mais MTV jeudi l'a constaté avec consternation que le gouvernement Premier ministre Ariel Henry a dirigé a est totalement dépassé par les événements. Il n'est pas même capable de faire montre de volonté ni capacité pour porter réponse appropriée à problème pays a fait face aujourd'hui, notamment problème insécurité. Nous pas même besoin de dire, nous pas même capable de parler de est-ce que capable de élection dans fin année. Depuis nos conditions que accord il était concocté en stratégie 180 degrés, c'est-à-dire que on partit dans ce cercle-là qui n'a pas tenu compte de lui. C'est un accord qui conclut entre monde qui partageait presque le même point de vue de comment le pays attaque à diriger aujourd'hui, à transition. Et nous voyons que c'est eux-mêmes qui continuent qui ont un espace pouvoir. Et aujourd'hui, après environ 4 mois de retard dans l'application à quoi nous sommes capables tout simplement de dire que les conditions ne sont pas réunies pour que le pays soit capable de faire de bonnes élections dans la fin d'année. Haïti a besoin d'élections pour lui sortir de la transition. Mais Haïti surtout a besoin de bonnes élections pour après l'élection, nous ne pas tomber dans la crise post-électorale. Pour après l'élection, le pays soit capable de faire expérience de stabilité politique, de bonne gouvernance. Le pays a surtout aujourd'hui a besoin de faire l'autre expérience politique et non ça que nous connaissons depuis les 30 dernières années. Je dis à MTV constater toujours avec douleur que le gouvernement Premier ministre Ariel Henry a notre tête dû. Il a toujours continué à croire que sans un consensus large et réel, il est capable de continuer à diriger le pays. Alors que l'éclair dans le comportement MTV, depuis 2019, il y a un comportement qui marchait avec cohérence. Nous avons toujours dit, solution pays a, il y a une grande entente nationale, un consensus large, côté que classe politique, la société civile organisée, la classe des affaires, nous capables d'entendre nous pour nous connaître comment nous diriger la transition. Et nous ne devons pas jamais souhaiter que la transition que nous vivons là, c'est lui-même que la population a été connue. Côté que le problème insécurité n'a pas adressé tout bon vrai. Côté que le problème corruption dans le pays n'a pas adressé tout bon vrai. Et gouvernance, c'est une gouvernance qui boiteuse, un gouvernement qui en manque d'inspiration et qui n'a pas gagné légitimité. Je dis à, on a constaté que la population l'a délogé violemment par gangio qui contrôlait les dépens entiers dans le territoire national là, particulièrement dans la zone métropolitaine Port-au-Prince et dans Balatibonite. Il a assassiné, il a pillé,
y a volé et y a violé paisible citoyen yo. Yo incendié bien moun dans la plaine, dans Faujac, dans Pernier. Nous voulons dire à tout moun sa yo que MTV dans les rel yo comprendre souffrance yo et rete bon côté population. Dans moment côté que insécurité alimentaire la fait rage, l'inflation bat son plein, entreprise a forcé fermer, y a renoncé à activité yo parce que situation pas permettre, tandis que institution enseignement supérieur yo, l'école, l'hôpital, l'autre structure de santé yo, y a fermé porte yo au fur et à mesure. Je dis à MTV dit non, situation ça pas qu'à continuer. MTV voulait marier voile avec 2 millions de compatriotes nous cap souffrir chaque jour pour nous dire gouvernement on pour lancer jodia un message clair à pouvoir ça soit nous assumer responsabilité nous dans cas fou difficile ça dans moment histoire dans moment exceptionnel ça populaire Haïti a connait jodia dans histoire ou du moins nous remettre clé à et classe politique là ceux des civils organisés là tout respect à force vive pays à n'a connait dégager un consensus ensemble pour nous connaître qui direction que nous abaille pas pays à et me croit que y a éviter à pays à connait des heures sombres encore des années des mois des semaines et des jours côté que c'est avenir en bonne jeune garçon jeune femme que n'a continuer hypothéquer m'a rappelé pour tout le monde que MTV son parti démocratique. D'ailleurs, en deux parties, même son ambiance démocratique qui régnait, qui croit que le peuple là, c'est sous toute légitimité politique et que en état de droit, l'Ichita, sous respect la loi, respect normio, respect constitution. Je dis, face à l'urgence qui gagne pour nous rétablir au niveau acceptable de restaurer l'ordre démocratique. Faciliter un retour au fonctionnement normal de différentes composantes dans la société haïtienne, MTV a proposé. Premièrement, pour nous créer une structure stratégique de conseil, d'évaluation et de consultation qui composait d'anciens hauts cadres dans le PNH, ancien ministre qui était dans le CSPN, l'autre spécialiste dans la question. Sécurité. Cette structure apportera sa contribution patriotique pour l'élaboration en urgence d'un plan de sécurité. Conseil ça, il est capable de jouer un rôle important tout dans le déroulement de tout sommet ou assise sous sécurité qui est capable de faire dans le pays. Deuxièmement, et c'est ça MTV a demandé depuis 2019, pour nous lancer un programme de vertine au sein de police nationale là, avec appui technique, experts nationaux et internationaux. Processus ça, il doit tenir compte de besoins pressants pour nous rétablir sécurité sur tout territoire national là. Troisièmement, MTV propose qu'on recherche auprès des partenaires internationaux les moyens logistiques adéquats et suffisants pour nous mettre plan ça en application. Quatrièmement, former en urgence avec le soutien technique de vrais partenaires de la PNH, un corps destiné uniquement à démanteler les réseaux de kidnappeurs et d'autres réseaux de délinquants à col blanc. Rendre fonctionnel DDR là. Démobilisation, désarmement et réinsertion. Cinquièmement, et pour finir, engager une réforme judiciaire et un renforcement considérable des structures pénitentiaires par la mobilisation des ressources nécessaires. Sixièmement, créer, en attendant que nous mettions en place un service d'intelligence nationale réel, un système de coordination qui a facilité échange et efficacité en différents services
renseignement qui gagne dans le pays. Septièmement, et pour finir, inviter ensemble de personnalités qui sont capables de sortir dans le milieu politique, social, universitaire, économique, religieux, culturel pays et dans la diaspora pour travailler dans un esprit de concertation.